Oh my god, ça fait combien de temps que je me suis pas assise devant la caméra et que j'ai pas parlé? Sérieusement, ça fait tellement longtemps! Oh my god, je sais plus comment. Comme mes dernières vidéos, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos, puis en plus, mes dernières vidéos c'était des vlogs. Fait que ça fait encore plus longtemps, tu comprends? Je suis vraiment énervée de vous faire une vidéo aujourd'hui. Puis là, je vais faire une petite explication de pourquoi j'ai pas fait de vidéos ces temps-ci, puis en même temps, ça va être un. Vidéo sur mes favoris du moment, que j'ai beaucoup de choses que je vais vous montrer ça. Ceux qui ne savent pas, je fais mon bac en enseignement primaire. J'ai commencé, c'est ma première session qui est terminée maintenant. Donc une session de moins au bac. L'université, c'est rochant. Comme l'année passée, j'ai fait un certificat en petite enfance là, et famille. Comme honnêtement, j'étais comme si c'est ça l'université, c'est chill. C'est vraiment easy, comme plus facile quasiment que le cégep. Fait que j'étais comme, that's it. Le bac, c'est la mort. J'avais pas encore expérimenté c'était quoi un bac et je peux vous dire que c'est vraiment la mort et que j'ai des travaux, un million de travaux à remettre à chaque semaine dans chacun de mes cours. Le temps me manquait même que au début je travaillais pas. Comme pendant 2 mois j'ai pas travaillé parce que après l'été dans le fond, j'ai comme pas travaillé parce que premièrement j'avais pas de job parce que Beach Club était terminé et je travaillais dans une garderie cet été, c'était terminé aussi. Et j'étais là, comment je vais faire pour travailler en même temps d'étudier, de faire tous mes travaux, un million de travaux, j'étais comme... Donc, je vais vous présenter mes favoris. C'est pour ça que, mais en fait, vous avez compris que c'était pour ça que j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais jamais le temps, jamais jamais. En plus de m'occuper de Brico Chou, qui on a été vraiment vraiment occupés ces derniers temps. Pour les fêtes, là, le monde, ils commandaient en fou, donc encore moins eu le temps. Mon premier favori, c'est cette tuque-là que j'aime tellement, elle est tellement cute. Donc, je vais la mettre pour vous. Donc, elle a un gros pompon de fausse fourrure, je tiens à préciser. Donc, puis elle est rose, quoi de mieux? Moi qui tripe sur le rose, vous allez voir que dans cette vidéo, les favoris sont pas mal roses. Donc, comme ça, elle vient du garage. Et oui, beaucoup de choses viennent du garage aussi, parce que hein, je travaille là, donc c'est ça. Voici cette tuque-là, il en reste encore des roses, mais il y avait une grise puis il y avait une noire, mais on n'en a plus, en tout cas à mon garage. Donc voilà. Ensuite, deuxième favori que je mets tout le temps, c'est ce foulard gris, tellement géant. J'ai quasiment le goût de le mettre pour la vidéo. En plus, il est frais lavé, il sent le lavage. Donc, gros foulard que tu te dis, il y a ça au Aldo, au Spring, ça coûte 30$, c'est quand même cher pour un foulard. Mais celui-là, il est du Urban Planet et je l'ai payé comme 10$, honnêtement. Puis, pour vrai, je l'aime juste trop. Fait que, voici mon foulard, là, je fais pas mal gris. Hein. Et en même temps que je filme cette vidéo, ma boss m'a texté pour rentrer ce soir. Et là, j'attends qu'elle me dise à quelle heure. Donc, ça se peut que la vidéo coupe assez vite, merci. Ensuite, un autre favori, côté vêtements, c'est ce genre de coton ouaté là, mais tu sais, pas de capuchon. Rose, bien évidemment. Tellement doux à l'intérieur, vous n'avez juste pas idée comment c'est doux. Encore une fois, il vient du garage. Donc, il était pas cher en plus. Je sais pas s'il en reste, honnêtement. Ça fait un petit bout que je l'ai acheté, fait que je sais pas, mais honnêtement il est juste trop confort, je l'aime tellement. Quand que je vais à l'école, je mets ça puis je suis tellement juste trop bien. Ensuite, un autre favori que je mets tout le temps, c'est cette casquette là et ça dit I used to be cool, maintenant je ne suis plus cool. Donc c'est une casquette noire que j'avais achetée au éditorial. Puis là, j'ai tellement hésité à cause qu'elle était chère. 40$ pour une casquette. Mais je l'ai mis en masque. C'était un bon investissement. Puis là, c'est plus même le temps de mettre des casquettes, là, mais plus comme à l'automne. Quand c'était l'automne, je la mettais souvent. Puis cet été aussi. Donc, c'est la marque Pizza Slime. Donc, je trouvais juste la phrase « cool ». Non, je sais pas, je trouve ça original, la petite phrase. Puis à chaque fois que je la mets, le monde sont comme « Ah, t'es plus cool maintenant, t'étais cool avant. » Ensuite, un autre favori qui est rose, c'est cette doudou-là. Oh my god, je vis dans ça.
c'est ma doudou préf. C'est Lisa qui me l'a donné à ma fête. Sérieusement, nombre de fois j'ai dit que je la remerciais pour cette merveilleuse couverte ultra douce. Puis en plus, c'est rose. Fait que ça, je peux pas vous dire d'où ça vient, mais il y en a partout des doudous de même. Donc, oui. Un autre favori, rose. C'est en plus un autre morceau du garage. C'est ce petit bomber jacket là, si on veut. Mais c'est plus mince qu'un bomber là. Bomber. Il est comme ça. Ouh, dur à montrer. Comme ça. Puis il y a un petit zip à l'avant. Honnêtement, on le vend tellement, ce morceau de linge là. C'est incroyable. Mais je l'aime juste trop. À chaque fois que je travaille, je le mets. Il est aussi dans le noir si vous aimez pas flasher un peu trop comme le rose. Ensuite, mon autre favori, c'est un autre cadeau de Lisa. C'est le Becca Beauty Highlight. Ceci, c'est la vie, les amis. C'est le highlight et le blush. Et pour vrai, j'ai le highlight en ce moment. Donc, je sais pas si on peut voir mon highlight, mon glow. Et sérieusement, je suis tellement contente de ce cadeau-là. Donc, cette chose, c'est ma vie en ce moment. Honnêtement, à chaque jour de ma vie, je le mets. Un autre favori, c'est une autre chose que je mets tout le temps. C'est cette montre. On voit pas bien, mais c'est du marbre. Ben, imitation de marbre. C'est un design de marbre. C'est une montre qui vient du Aldo. Donc, je la mets tout le temps. C'est ma... Ben, c'est ma seule montre, en fait. Je vais dire c'est ma montre préf, mais c'est ma seule. Donc, c'est ça, je la mets juste tout le temps, elle est trop belle. Je sais pas s'il en reste encore parce que moi j'ai fait comme plusieurs aldos pour la trouver. Donc, ouais. Et mon dernier favori que je viens tout juste de me procurer, ben en fait, c'est mon cadeau de Noël en avance. Donc, ça fait comme 3 jours que je les ai. C'est mes plus belles bottes du monde. Les bottes Sorel que j'ai vu beaucoup de monde avoir, que j'ai vu que beaucoup de monde ont sur Instagram. C'est les Trivoli 2. Trivoli. Donc, ils sont juste comme ça, avec le dedans en poêle. Ils sont tellement confortables, honnêtement. Genre, wow, là, comme... J'adore. Puis, c'est les courtes. Moi, il y en a des longues, mais je préfère les courtes. Donc, c'est mes bottes préférées. Donc, voilà, c'est tout ce qui conclut ma vidéo. Je vais en faire une très bientôt, je vous promets. Je suis en vacances, je vais faire des vidéos. Parce que là, je dois aller travailler, en fait. Je dois partir comme... hurry up vraiment bientôt. Au moins je suis déjà comme arrangée, je vais juste m'habiller. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo, puis on va se revoir très bientôt dans une autre vidéo. Je vous promets qu'il va y avoir une vidéo très bientôt. Donc au revoir, bonne soirée tout le monde. What you gonna do with that dessert?